que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga e comme ça yo. Babanzo nanga e sanjola yo. O oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Cet élément était attendu de tous. Le point de vue de demeure sur Allo Téléphone de Fally Ipupa. Non, vous êtes trop forts les Congolais. Waouh, j'ai reçu des messages, même des haineux, les personnes qui ne m'aiment pas, les gens qui m'ont déjà donné une position. Ouais, tu es pour ceci, nanani, nanana. Et tout le monde voulait avoir mon point de vue. Écoutez, je vous donne mon point de vue. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Erwig. Et vous pouvez passer vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Et n'hésitez pas, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, c'est Demeure Officielle. Salutations à Papi Chaco, le cash money, n'est-ce pas? Salutations à mon manager, le King AKM Boss Mobutu. Tonton Peps, Pépé Mouibouiska, Livmouza Valeur. Il s'appelle Eric Kaké la Foudre, n'est-ce pas? Maman Evelyne Delolo, Cornelia Molouba, Papa Edo Mopatas. Vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout à travers le monde. Ma Fanny Sako, ma Mimi, ma Miyama Wete, salutations à toi. Donc vous êtes nombreux et tous les warriors, je vous salue quoi. Je vous salue en boucle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pense de Allo Téléphone? Déjà d'entrée de jeu, avant de commencer, je tiens à dire félicitations à tous les warriors du monde. En tout cas, félicitations pour la détermination, la motivation. Vous avez pris des jours, des semaines, des heures à parler que de Allo Téléphone. Vous m'avez même carrément prise en otage. On m'a même donné une connotation et un camp, n'est-ce pas? Vous avez envie de passer un message. Vous avez besoin de vous exprimer, de prouver votre amour à Fally Ipupa. Vous avez commencé la promo de Allo Téléphone. Vous en avez parlé. Vous attendiez ça impatiemment. C'était votre chouchou, votre bébé. Et je pense que c'était sur Demeure Officielle que vous avez lancé ce challenge. Disons qu'en 48 heures, vous alliez faire 1 million de vues. Donc voilà, vous étiez vraiment déterminés. Félicitations, coup de chapeau, parce que ça payait. En moins de 72 heures, vous avez totalisé 1 million de vues. Waouh, c'est un record vraiment très surprenant, parce que déjà, je tiens à signaler que lorsque vous traversez la barre de 300 000 vues sur YouTube, vous êtes déjà sélectionné parmi les vidéos tendances, donc les vidéos les plus vues, les plus suivies sur YouTube. Déjà, quand vous traversez la barre de 300 000 et quand vous arrivez à 500 000, vous êtes quand même classé. Et dès le premier jour, les premiers 24 heures, Fally Ipupa était classé 8e dans les vidéos les plus suivies de YouTube. Après, il est monté à 6e dans les vidéos les plus suivies de YouTube. Et c'était grâce à vous, les warriors. D'ailleurs, je suis allée sur YouTube. Je tiens à signaler que quand la version audio était sortie la veille, j'étais parmi les premières personnes à avoir reçu la version audio, je pense, à Kinshasa. Parce que quand c'est sorti, les warriors m'ont tout de suite envoyé et tout par des voices, vous avez utilisé différents moyens pour me le transférer. Sur Spotify, sur Deezer, sur les plateformes de téléchargement, vous avez acheté, mais acheté Allo Téléphone. Vous avez acheté Allo Téléphone. Et en grande partie, en tout cas, la grande majorité des warriors ont acheté sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup à vous pour cette détermination. Vous étiez déterminés, n'est-ce pas? Quand la version de YouTube, la vidéo est sortie sur YouTube, vous êtes venu aussi sur YouTube pour matraquer le nombre de vues. C'est vrai que vous n'avez pas totalisé 48 heures comme vous l'avez souhaité, mais la détermination a payé. Avant les 72 heures, vous avez atteint vos 1 million. Je vous dis coup de chapeau et félicitations. J'ai eu la chance quand même. On m'a admise dans près de 5 groupes de warriors comme ça. Je me suis retrouvée dans près de 5 groupes de warriors. Tout le monde voulait que je sois là, que je vois comment est-ce que les choses vont se passer. Tout j'ai vu. Mais franchement, vous avez utilisé différentes stratégies. Mais la seule chose que vous avez refusé de faire, c'était d'avoir des faux comptes pour booster les vues et tout. Vous avez voulu parler de ça à vos proches, descendre sur terrain. Voilà pourquoi nous constatons que les vues, les commentaires et les likes ont quand même un certain équilibre, c'est-à-dire plus de 40 000 likes, ok, et plus de 7 000 commentaires, ce qui est pratiquement logique. Au fait, ça veut dire que la vidéo était vraiment suivie par des gens et tout. J'ai vu des vidéos sur les groupes des warriors.
des vidéos des gens qui montraient, voilà, je suis chez mes amis, je suis venu leur rendre visite et tout. Tiens, dis-moi, tu es déjà abonné sur la chaîne de Fali, tu as déjà vu le clip à le téléphone et tout. Et vous, c'est ce que vous aviez fait ici à Kinshasa, je peux le confirmer parce que chez moi, vous avez envoyé une partie, on a envoyé à plus de 100 personnes des crédits pour leur permettre de se connecter, de suivre la vidéo de Fali Poupa parce que vous avez envie de maximiser les vues aussi au niveau de Kinshasa. Coup de chapeau à vous, vraiment, vous avez fait du très bon boulot, vous étiez déterminé déjà, je tiens à dire félicitations d'abord aux Warriors, toujours d'attaque. Après, revenons sur la chanson Allô Téléphone. Quand c'est sorti, quelle était mon appréciation? D'abord, à l'instant où on m'a envoyé, j'étais pas surprise, c'est-à-dire, c'est pas que je me retrouvais en train d'entendre une chanson que je ne comprenais pas ou que je ne maîtrisais pas. Genre, quand j'entendais, je me suis dit, ouais, c'est du Fali. C'est du Fali. C'était ça, au fait, à première vue. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est du Fali, quoi. Donc, j'étais pas surprise dans la mesure où c'était un nouveau style que je ne maîtrisais pas. Non, je savais que j'écoutais du Fali. Et cela peut être négatif ou positif. Positif parce que on a l'impression que c'est devenu l'identité de Fali. Allô, téléphone, les gens disent que c'est, ouais, ça ressemble à École, que ça ressemble à ceci, que ça ressemble à cela. Déjà, quand il fait 3-4 chansons qui se ressemblent, on se pose une question. Il veut nous expliquer quoi? Que c'est son identité, que c'est son empreinte qui va commencer à faire des trucs avec ce registre-là? Oui, ça peut être positif parce que quand on écoute, on n'est pas perdu. On sait que c'est du Fali ou pas. C'est ce que nous comprenons tout de suite. C'est négatif parce que les gens, maintenant, quand ils s'habituent à un truc, ils sont plus surpris. À un moment donné, ça fatigue. Donc, les gens veulent plus se fatiguer. Les gens veulent plus se fatiguer. Les gens veulent un effet surprise. Et les gens pensaient que Fali allait leur emmener sur un truc très, très, très surprenant, surtout par rapport à l'annonce de Allô Téléphone. Les gens n'ont pas été surpris. Ils ont vu que Fali a utilisé pratiquement son même style et tout et tout. C'est qui peut être positif pour lui parce que c'est son identité. Déjà, les gens ont la maîtrise de ça, mais ça peut être aussi négatif. Du coup, il doit travailler sur ce côté-là. Fali doit revoir ce côté-là, c'est-à-dire qu'il essaie peut-être de changer, je sais pas moi, de bassiste ou je sais pas moi, de beatmaker, mais qui rapporte une autre touche nouvelle. Il peut garder une originalité sans pour autant faire pratiquement les choses identiques. C'est ce que les gens lui reprochent. Donc, sur ce point-là, ça peut être positif ou négatif. Alors, toujours sur la chanson « Allô, téléphone », n'eût été la partie où on disait « Allô, 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 téléphone », n'eût été cette partie-là, on n'aurait jamais compris que c'était la chanson « Allô, téléphone » parce qu'on n'a pas trop entendu les animateurs utiliser le mot « téléphone » dans leur, truc, dans leur animation, voilà, c'est ce que je voulais dire, dans leur animation. On n'a pas trop entendu ça, mais déjà, Allô, 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 téléphone nous rappelle que c'est la chanson Allô, téléphone. C'est bien, mais on aurait voulu entendre le téléphone encore plus. Et qu'est-ce que je pense des animateurs? J'ai dansé sur le son Allô, téléphone, au fait. J'aime le rythme, c'est un rythme qui fait danser, qui fait bouger. Moi, dès que j'ai entendu, j'ai dit, tiens, ah ben c'est top. J'ai aimé la partie chant de Fali, au fait. Il nous a ramené sur son style, là, ce truc-là qui fait sa touche, là. C'est ce qui a fait la beauté de la chanson à l'introduction. Et en plus, il a continué, il a monté et la suite était très bien. Moi, j'ai aimé. J'ai même pas senti les 8 minutes de la chanson, en fait. J'ai juste aimé. Et les deux autres animateurs avant Kabuya, j'ai aimé aussi leur particularité, mais j'ai l'impression peut-être c'est le refrain, hein, parce qu'on a un tout petit peu traîné tout autour de leur animation, mais bon, c'était quand même agréable à entendre. C'est pas comme si c'était lassant, c'est comme si c'était négatif, non, c'était quand même bien. Ce que j'ai constaté, c'est que Fali n'a fait que genre 3 dédicaces. Il a dédicacé que 2 personnes plus les Warriors en premier, donc il n'a fait que 3 dédicaces. Pourquoi il n'a pas voulu faire trop de dédicaces, enfin, je comprends pas trop. Revenons du côté de Kabuya, la voix de Kabuya, bon, je mets ça sur le compte du fait qu'il revient du confinement. Ils n'ont pas eu le temps vraiment, vraiment de travailler. Du coup, sa voix ne pouvait pas ressembler à quelqu'un qui fait des répétitions tous les jours parce qu'ils étaient en confinement. Et puis après, moi, j'ai aimé la voix de Kabuya. Tout simplement parce qu'il ne peut pas chanter toujours de la même manière. Il a apporté quelque chose que moi, je n'ai pas du tout trouvé négatif. Moi, j'ai apprécié, tout simplement. Du côté de l'animation, je n'ai pas trop à dire. Moi, tout ce que j'ai aimé, enfin, je n'ai pas trop compris, c'est le fait que le téléphone n'a pas trop été utilisé dans leur animation. Ils auraient pu être un peu plus créatifs en utilisant le mot téléphone ou en illustrant ça
en relevant des faits des sociétés qui nous remettent dans un problème lié au téléphone. Ouais, la problématique du téléphone n'a pas trop été utilisée dans Allo Téléphone. Du coup, on se perd un peu. Partant du côté chorégraphie. Au fait, quand on attend Yakatosa la Makambo ya ralenti, maintenant, moi, quand j'ai entendu la version audio, tout ce que vous êtes en train de dire, ouais, tout, la chorégraphie est trop simple, c'était pas trop fort. Au fait, moi, quand j'entendais la version audio, ça bougeait. Maintenant, je me demandais, le clip allait ressembler à quoi? Si là où ils ont dit Makambo ralenti, ils avaient dansé trop fort, j'allais trouver ça contradictoire. Donc, du coup, la chorégraphie, j'ai trouvé ça, oui, vous avez raison, très simple, mais pas trop dérangeant non plus. Et puis, du côté chorégraphie, Fally Ipupa, tu ne sors plus de ta coquille. Fally Ipupa, tu nous fais pratiquement les mêmes chorégraphies. En tout cas, pratiquement, on se pose des questions. C'est ton identité que tu veux garder? Tu veux que l'on puisse s'habituer à toi comme ça? Tu penses pas que plus on s'habitue à toi comme ça, on va se fatiguer? C'est la question que je me pose. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, si on s'habitue, toi, tu as encore dans l'école ton histoire avec les pieds là. Ça compliquait la nature là. Ce challenge là était un challenge, mais qui a compliqué les gens. On a adoré. Et à l'autre téléphone, tu as utilisé la hanche comme tu as bien l'habitude de le faire, mais c'est plus la hanche que tu as utilisée et quelques petits mouvements. On veut savoir, tu fais toujours ce genre de chorégraphie parce que tu veux nous habituer en nous disant c'est ton identité, c'est ton empreinte. Tu le fais exprès ou quoi? Il y a risque que les gens s'emballent dans l'habitude. Et, écoute, le chorégraphe doit essayer aussi de faire très attention de ce côté-là. Mais de toute façon, je pense que quand on dit « Yagatosa la Makamba ralenti », je crois que cette chorégraphie avec la hanche et tout avait son sens. Mais après, bon, ça peut toujours passer. C'était juste comme ça. Mais je pense que je dois recevoir le directeur artistique quand même de F-Victim pour savoir pourquoi ils ont fait certains choix. J'ai quand même des questions à poser là-dessus. Restons toujours sur Allo Téléphone, le clip. Bon, je comprends parfaitement que vous n'ayez pas utilisé le téléphone dans les animations et tout. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi dans le clip, on n'a pas utilisé le téléphone? Vous aurez dû faire référence au téléphone dans le clip. Du début jusqu'à la fin, j'ai cherché quelqu'un qui avait au moins ne serait-ce qu'un téléphone à l'oreille. J'ai pas vu. J'ai cherché, j'ai pas vu. Ce que j'ai trouvé agréable, c'était l'arrivée des pompiers. Mais quand je vois les pompiers arriver, qui leur a appelé? On n'a même pas utilisé le téléphone. On n'a pas utilisé le téléphone. Le pompier est arrivé, les pompiers sont arrivés, on voit les pompiers descendre, tantôt fallait danser à l'intérieur, les pompiers en train de courir, on se pose la question. Qui a appelé les pompiers? Par exemple, là, vous aurez dû illustrer le téléphone. Par exemple, là, vous aurez dû utiliser le téléphone. Pourquoi on ne l'a pas utilisé? L'arrivée des pompiers, c'était top, mais les pompiers, on les appelle hein, pour qu'ils arrivent. Vous auriez dû utiliser le téléphone. Dans le clip, si dans la chanson, vous n'aviez pas utilisé le téléphone, dans le clip, vous auriez dû utiliser ça. Et là où vous avez fait le clip, j'ai pas trop de problème avec ça. Ce serait au bled ou même là-bas à l'extérieur, j'aurais compris. C'est la première fois, si je ne m'abuse, que Fally Ipupa fasse de clip avec ses musiciens à l'étranger. Alors, pourquoi Fally Ipupa n'a pas utilisé l'environnement, je ne sais pas, c'est parce qu'on est en confinement, il n'y a pas eu d'autorisation, ou c'est au fait l'esprit que vous aviez quoi, dans la réalisation, vous voulez faire ça dans un endroit renfermé. J'aurais voulu que vous puissiez profiter de l'environnement où vous étiez, utiliser le milieu, quoi, qu'il y ait une meilleure décoration de l'extérieur, puisque c'est pour moi, je ne sais pas si vous avez prévu de faire autre chose là-bas, mais pour moi, ça va être un clip top avec l'environnement extérieur de l'Europe, au fait. Ça va être un truc top. Donc, j'ai regretté au fait le fait que vous n'avez pas exploité l'endroit où vous étiez. Je parle de l'extérieur, de l'environnement de l'Europe et tout, je ne sais pas moi. Bon, peut-être que c'est lié aux autorisations et avec le Covid-19, on posera la question au directeur artistique. Mais quand on parle du côté vestimentaire, j'ai aimé la partie où vous étiez habillé en noir. Mais ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est le fait que c'est sombre là où vous êtes et on n'a pas utilisé beaucoup de lumière pour que l'on puisse mieux vous voir. Pour que l'on puisse mieux vous voir, on n'a pas utilisé beaucoup de lumière.
J'ai regretté cela. Là où vous êtes habillé normalement, bon, en fait, que Fali m'explique. J'ai quand même beaucoup de questions à le poser. Pourquoi, enfin, vous avez fait ça expressément? Vous avez vraiment envie de faire un truc simple pour nous dire, voilà, fin du confinement, nous reprenons les activités et tout et tout. Parce que Fali, bon, c'est vrai que c'est pas n'importe quelle babouche, ça coûte quand même fortune. La tenue de Fali coûte fortune, mais ça reste une tenue très simple. Fali qui arrive en babouche, nanani, nanana, très simple. Ces musiciens aussi habillés très simplement. Cette simplicité que vous avez utilisée dans ce clip, c'était fait exprès? C'était sur base de quoi? Parce que vous savez, vous étiez en Europe, par exemple, vous auriez dû faire du genre du sapé comme jamais, c'est-à-dire vous fringuer du Gucci, Dolce Gabbana, du Zara, parce que vous êtes dans un environnement où qui teigne les osangatés. Mais le niveau de la simplicité qui était dans votre style vestimentaire a dépassé mon entendement. Moi, en fait, on attendait beaucoup. Mais Fali nous a ramené dans quelque chose de simple, de bref et de succinct. Je me dis, il a fait ça exprès? C'était stratégique? Ou quoi? Donc voilà, c'est ça mon point de vue concernant la chanson Allô téléphone. Mais après, est-ce que ça réussit ou pas? Moi, je dis chapeau bas, mais je vous dis félicitations, parce que cette chanson a réussi. Pour la petite histoire, la chanson est sortie, la nuit où la chanson est sortie, moi, je suis sortie, la version audio est sortie, je suis allée me procurer des crédits à l'extérieur, je sens, j'entendais déjà la version audio de Allô Téléphone. Allô Téléphone se joue à Kinshasa, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de bar, mais les gens qui ont des boutiques et tout ça, jouent Allô Téléphone à Kinshasa. Ça se consomme, mais comme pas possible, les gens étaient au courant que Allô Téléphone sortait. La promotion de Allô Téléphone a été faite. Est-ce que c'est une très belle chose? Moi, je dis que c'est bien, c'est top. Le problème seulement, c'est que on avait l'impression d'entendre du déjà entendu. Les gens qui disent, oh, c'est monotone. En fait, quand vous dites que c'est une monotonie, vous faites allusion à quoi? Parce que ce qui se dit dans le texte là, ils n'ont jamais dit ça dans une autre chanson. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est nouveau. Tout ce qu'ils ont fait, c'est nouveau. C'est seulement le rythmique qui nous rappelle ce qu'on a déjà entendu. On aimerait savoir si ils gardent ce type de rythmique, si c'est son identité ou pas. Déjà, il a battu un record. Ne me ramenez pas sur le terrain de Fabrica, ça c'est un sujet qu'on va en parler plus tard. Dont on va parler plus tard. Mais restons sur une logique, c'est que en matière de générique, ils ont battu le record. Et puis, pour savoir que cette chanson est très suivie, regardez dans les tendances, pour voir que ces vues sont réelles et que c'est une chanson qui est consommée par un réel public. YouTube a classé ça dans les top tendances des vidéos les plus suivies. Ça veut dire que cette vidéo est suivie. J'ai eu la chance de parler avec des amis gabonais. Je vous salue, les Maliens, les Camerounais, les Brazzavillois, les Ivoiriens. Mais vous m'avez graffé, Marie. Mes salutations à vous. J'ai même parlé avec des amis de Ghana, mais qui parlent français. Donc, mes amis de Marseille, je vous salue. Donc, j'ai toute cette communauté-là sur ma chaîne, hein, rassurez-vous. Ils m'ont dit, mais demeure, mais c'est top, on est en train de danser. Et il y a un qui m'a fait un accent en lingala pour me dire, ma caméra ralentit, j'ai grave rigolé. Pour vous dire que cette chanson est consommée, c'est très suivi, mais c'est un bon clip. Parce que la qualité du clip dans l'ensemble, elle est bonne. C'est vrai que ces points que j'ai cités, c'est mon appréciation des choses que j'ai vues. Mais après, la qualité en soi, elle est bonne. Et ils ont cartonné, ils ont été classés dans les top tendances. Je pense hier, si je ne m'abuse, sur iTunes et sur Spotify, il était classé premier. Donc, quelque chose qui est déjà comme ça, ça veut dire que c'est top. Quand une vidéo est suivie et est classée parmi les top tendances des vidéos suivies, ça veut dire qu'il est vraiment suivi, qu'il est consommé. Qu'est-ce que vous voulez de plus, au fait? Je ne sais pas. Quelque chose qui n'a pas cartonné ne sera pas suivi, ne sera pas classé parmi les vidéos tendances. Vous voyez? Et tout ça, c'est grâce à qui? À des fans très déterminés. Voilà pourquoi il faudrait prendre au sérieux votre base, au fait. Il faudrait considérer votre base. Vous avez vu comment est-ce que les Warriors se sont sentis impliqués? Parce que d'entrée de jeu, Fali leur a dédicacé. Ils se sont dit, tiens, on est impliqués, on va parler de notre son. C'est comme si, au fait, Allô Téléphone était la chanson des Warriors. C'est comme si Fali disait merci les Warriors, quoi, parce qu'il a commencé avec eux à l'introduction, mais ils se sont impliqués, mais à fond, c'est une considération mais énorme. Donc voilà, je vais recevoir le directeur artistique, je vais recevoir les animateurs qui ont chanté dans Allô Téléphone. Ils vont nous expliquer le type d'animation et puis pourquoi ils n'ont pas été trop tout autour de cette histoire de téléphone, pourquoi ils ont fait quelque chose de différent. Peut-être que c'était stratégique, parce qu'on attendait à voir des trucs liés au téléphone dans cette chanson. Ça, c'est vrai.
Et le directeur artistique va nous expliquer d'autres détails sur l'endroit où ils ont fait les clips, sur le type de décoration, leur style vestimentaire, pourquoi dans la réalisation on n'a pas utilisé même ne serait-ce que le téléphone pour illustrer quelque chose, pourquoi la simplicité dont on a eu droit dans ce clip, toutes ces choses, on va attendre ça des personnes que je vais recevoir, si pas aujourd'hui, dans la soirée, demain, parce que là je serai débordée, je pense demain je vais faire ce direct-là avec soit les animateurs, ensuite les directeurs artistiques, peut-être que je vais les réunir le même jour. Quelqu'un m'a demandé demain pourquoi certaines personnes sont aussi exigeantes avec Fally, disant que ouais, ça n'a pas marché, que ouais, on a l'impression que c'est du déjà entendu, nanani, nanana et tout. Déjà, moi, je me dis que si il répète le même genre, le même style et tout, c'est parce qu'il sait que ses fans, son public, sa communauté, sa team aiment ça. Et quand on est exigeant avec lui, on lui demande qu'il fasse quelque chose de différent. C'est parce qu'en fait, même si ça vient des haineux ou de ses concurrents ou des fans de ses concurrents, quand ils le lui demandent, c'est parce qu'ils se disent que Fally a le level, que Fally est à la hauteur. Ils croient en sa capacité de faire mieux, de faire plus. Ils ont peur que Fally puisse se coucher sur l'appréciation de ses fans et ne pas aller plus loin que ça. Ils savent que Fally est au top de la musique congolaise et c'est lui qui vend. Au fait, valablement notre musique partout dans le monde. Qu'on soit d'accord sur cette réalité-là, ils le savent. Alors, ils veulent aussi, à un moment donné, que Fally ne se perde pas, qu'il continue à être au top de chez top. Parce que quand on fait une critique négative, surtout dans ce sens-là, peut-être que certaines personnes l'ont dit dans le sens de faire, ouais, on lui dit ça pour le piquer, pour montrer qu'il n'a rien fait. Non, ils ont réveillé Fally en lui disant, écoute, on sait que tu es dans le top, on sait que tu es numéro un, on sait que valablement, c'est toi qui nous vends. Tu es parmi les premières têtes, au fait, dans notre musique actuellement. Alors, toi, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Et ne prenez pas ces critiques-là d'une manière négative. Prenez ça dans le sens où Fally doit faire mieux, Fally doit faire plus, parce que c'est lui qui est au top. Même c'est les personnes qui ne l'aiment pas, qui ne le soutiennent pas, veulent qu'il continue à être au top. Parce que quand il va faire quelque chose de différent, qu'il sera au top, même s'ils vont venir critiquer, comme ils ont critiqué. Comment on appelle ça, Tokos, ouais, il est allé faire des trucs, des rappeurs, nanana. Ils ont tous joué ça dans leur fête, ils ont écouté ça, ils ont dansé ça, ils ont eu ça dans leur téléphone, ils connaissent l'effet de Halo, plutôt de Tokos dans la musique, ils savent comment, à quoi ça ressemblait, ce que ça donnait, ouais. Donc, ils sont exigeants avec Fally parce qu'ils savent que Fally a la capacité de donner plus et de faire mieux. Donc, cette critique qu'ils ont faite, tout autour du fait que ouais, ils avaient ces gens une monotonie, j'ai déjà entendu, ils veulent que Fally fasse plus. Bah écoutez, Fally va nous donner plus, hein. Il a la capacité de le faire. Nous tous, nous ne voulons pas que Fally se contente des félicitations de ses fans. On veut que Fally nous surprenne comme il nous a surpris dans Tokos. Et puis, dans les autres chansons, c'était ça. Dans les autres chansons, ouais, quand Fally a sorti même École aussi. Même École aussi, c'était ça. Les gens disent, ouais, École, ça a l'air d'être du déjà entendu. Et Kangui, le challenge était là. Tout le monde a voulu danser École. Tout le monde a voulu danser. Les chorégraphies ont été faites. Tout le monde l'a consommé. Pour École, c'était pareil. Quand il est sorti Tokos, ah, c'est quoi ça? Nanani, nanana. Les gens se sont précipités à faire des critiques dessus. Quand il a sorti Contrôle, autant de chansons comme ça, les gens ne vont jamais retenir et tout. Et non, les gens ont critiqué. Mais le résultat est là. Le résultat est là. Tout ce qu'il fait a été critiqué. Ce que moi, j'ai même trouvé anormal, encore, excusez-moi, c'était de voir des personnes qui se disent professionnelles des médias, une chanson qui n'a même pas encore fait 2 heures, qui n'a pas encore fait 3 heures, même pas 6 heures, directement, ils ont commencé des analyses. Mais étudiez au moins le comportement de la chanson dans les médias. Regardez comment est-ce que ça va évoluer. Après, vous aurez des éléments. Quand une chanson peut faire 1 million de vues en 72 heures, en moins de 72 heures. En moins de 72 heures, en moins de 3 jours, une chanson fait 1 million de vues. Cette chanson est sélectionnée parmi les vidéos les plus suivies de YouTube. Et avec ça, vous allez dire que cette chanson-là n'a pas marché? Non, mais... Ouais. Donc, moi, je dis tout simplement coup de chapeau, quoi. Je dis coup de chapeau et ne prenez pas trop d'une manière négative les critiques. Certaines critiques, quelqu'un peut le faire en te faisant, avec méchanceté, en pensant peut-être qu'il veut te nuire, il veut te rabaisser, mais après, il va se retrouver face à une réalité, c'est que ce qu'il a dit est allé dans ton sens et ça t'a permis de corriger quelque chose qui t'a aidé même à évoluer. Pourtant, lui, il avait fait ça pour te rabaisser. Donc, prenez ça comme ça.
Ouais. Merci beaucoup. Alors, demeure, demeure, demeure ce que tu fais pour Fally. Franchement, merci beaucoup. Et d'autres qui ont dit, demeure, tu fais ça pour Fally, tu ne feras jamais pour d'autres musiciens. Bah, écoutez, contactez-moi, c'est simple. Les Warriors ont contacté Demeure, on a travaillé ensemble. Vous aimeriez que Demeure puisse reproduire le même type de promotion qu'elle a fait pour Allo Téléphone, pour les autres artistes, que les fans de ces artistes me contactent ou que le bureau de ces artistes me contacte. Je suis ouverte à toute proposition, à condition que vos fans, si c'est le bureau qui me contacte, à condition que vos fans soient impliqués. Parce que les gens qui vous consomment, ce sont ces fans-là. Il est temps que vous puissiez leur prendre en compte. Ceux qui ont fait que Allo Téléphone puisse être autant visible sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'équipe de management de Fally Ipupa. Les Warriors se sont lancés entre eux-mêmes un défi. Leur défi, ce n'était pas envers un artiste en particulier. Ce qu'ils ont fait, les fans d'aucun orchestre ne l'ont fait. Ils sont les premiers à l'avoir fait. Il faudrait qu'on puisse le reconnaître. Ils se sont eux-mêmes lancés un défi pour faire honneur à leur artiste. Ils ont réussi en moins de 72 heures, j'insiste, ils ont atteint les 1 million. Ils sont à féliciter. Impliquez vos fans, que vos fans se sentent impliqués et considérés dans ce que vous faites. Donc, si vous aimeriez qu'on puisse faire le même type de promotion, impliquez vos fans. Et moi, c'est avec les fans, en fait, que je fais ces choses. Parce que quand je fais mes lives, c'est les fans qui suivent, c'est les fans qui appellent, c'est les fans qui participent, c'est les fans qui donnent des stratégies. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Félicitations à tous les Warriors et à toute l'équipe de Fally Ipupa. Une chanson qui a fait beaucoup de bruit, mais vous nous avez redescendu avec une simplicité qui a dépassé notre entendement. C'est toujours surprenant, quoi. C'est toujours surprenant, mais dire que cette chanson n'a pas cartonné, c'est faux, c'est top, c'est une très belle chanson. C'est parce que les boîtes et les fêtes sont interdites et tout, les bars et tout. Parce que quand ça va reprendre, vous allez entendre ça, mais c'est très consommé. Déjà dans les radios et les télés de Kinshasa, ça se consomme. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Merci à toutes les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont écrit. Merci au président de tous les Warriors, Kelly Charleston, parce qu'il était aussi très déterminé. Il a motivé sa base. Donc voilà, et à toute l'équipe de Fally Ipupa, vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Patine Saraza, Fiston Koloké, Soule Kaouka, Maman Présidente. Mimi Chikeva, Fergani la Merveille, les musiciens, les Ambassi, Gino Liaki, le chef à télé, les autres, je ne connais pas trop leur nom, Kabouya, vous êtes nombreux. En tout cas, vous avez fait du très bon boulot. Félicitations à toute l'équipe et continuez, vous faites du très bon boulot. Donc voilà, si j'ai omis quelque chose, dites-le-moi dans les commentaires. Mais tous ceux qui respirent de l'éternel, au thème n'angale comme ça yo, papa n'angale sans jola yo, oh oh yunga na zomona ilongoli bonzame na yote.